Moi, j'ai joué à Saintes pour la première fois l'année dernière, où j'ai donné un récital Maramarais. Et j'étais très, très honoré quand on m'a invité de jouer ici. J'y croyais pas trop au début. Et oui, c'est très impressionnant de faire un récital dans cette abbaye. C'est un festival qui a au moins une trentaine d'années. Tous les grands noms sont passés par ici. Honnêtement, voilà, le peu de connaissances que j'ai de musique baroque, dès que j'arrive ici, que j'écoute un concert, c'est un voyage complet, en plus avec des musiciens de grande qualité, une atmosphère tout à fait propice à la musique. C'est plein de concerts par jour, c'est énormément de public, un public connaisseur, il y a aussi plein de professionnels de la musique, aussi bien des musiciens que des organisateurs de concerts, des journalistes, etc. Donc c'est très très exposé. Ouais, moi, c'est la première fois, je connais évidemment de réputation, mais comme j'ai jamais fait de baroque, j'ai jamais été invitée avant. C'est voilà. Bien la première fois, je joue avec Lise depuis plus de 10 ans et c'est bien la première fois que je vais dans un endroit où je suis allée avant elle. Okay. Là, en l'occurrence, c'était avec Adam il y a 2 ans. Parce que je suis vraiment plus vieille. C'était beaucoup plus expérience. Moi, j'estime qu'on ne peut pas faire de la musique ancienne uniquement dans notre bulle. C'est déjà une niche. Par le répertoire, par l'époque, par les instruments, etc. Donc il faut transmettre les choses au public qui connaît déjà, mais aussi au public qui ne connaît pas encore et qui ne sait pas encore qu'il aime cette musique-là. Donc, en effet, ici, il y a un public aussi très, très particulier. Et d'ailleurs, je félicite encore une fois le directeur pour cet événement qui est toujours une grande réussite et un vrai plaisir pour le public et les musiciens. Oui, donc voilà, un public peut-être plus diversifié que celui qu'on a l'habitude de voir déjà pendant l'année, sur les scènes nationales, et puis même pendant les festivals, c'est vraiment un public qui va d'un très jeune âge jusqu'au public plus habituel. Le trio de Brahms que nous allons jouer est écrit originellement pour la clarinette et le violoncelle. Mais il se trouve que cela sonne merveilleusement à l'alto. Donc voilà, comme l'occasion était de jouer tous les trois ensemble, on en a profité pour faire un programme autour de ce trio. Et donc forcément, la musique allemande venait assez naturellement en complément de ce trio de Brahms. Ce qui est amusant, c'est que Victor joue énormément avec Adam et moi aussi. Et qu'avec Victor, on a fait énormément de trucs de section à cordes, de quatuor avec piano. On se retrouve, c'est une équipe qui se retrouve un peu tout, au moins plusieurs fois par an pour jouer ensemble. Mais dans cette formation, ça c'est un peu inédit, puisque la formation violoncelle, alto, piano, c'est rarissime. Donc c'est amusant de nous retrouver tous les trois. Voilà, exactement. On a fait à peu près toutes les autres formations et c'est la première fois qu'on se retrouve autour du trio de Brahms que nous jouons aujourd'hui. Donc qui c'est originellement pour clarinette à la place de l'alto, mais Brahms lui a lui-même fait une version pour alto. Donc le programme d'aujourd'hui, j'allais dire de ce soir, mais non, de ce midi, est construit autour du trio de Brahms opus 114. Exactement. Alors, moi je joue de la viole de gambe. L'Achéron, les deux activités principales de l'Achéron, c'est d'une part le consort de viol. Donc le consort de viol, pour rappel, c'est un ensemble de viols de gambe, de la plus petite à la plus grande. Donc c'est comme les violons, c'est une famille d'instruments à cordes. La viole de gambe n'est pas l'ancêtre du violon ou du violoncelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire et dire. C'est une famille, une cousine, comme les hautbois et les flûtes. J'avais envie de faire du consort de viol sérieusement, j'avais envie de jouer avec mes copains, j'avais envie de jouer moins aussi, parce que j'étais tout le temps sur les routes, à l'hôtel, dans le train, dans l'avion. J'avais envie de jouer moins, mais mieux, en tout cas selon mes critères. Et donc j'ai lancé ça en me disant, bon voilà, bouteille à la mer, on va bien voir ce qui se passe. Et puis si ça n'avait pas marché, j'aurais probablement arrêté la musique, j'aurais fait autre chose.